Je m'appelle Mathias, je vais vous présenter Nicolas, animateur au foyer des jeunes travailleurs à la ville de Morlaix. Je m'appelle Nicolas Pédès, je suis animateur socioculturel au foyer de jeunes travailleurs à Morlaix. J'exerce ma fonction depuis 13 ans. Sur le foyer de jeunes travailleurs, il y a des jeunes qui viennent de toute la France, des dom-toms. On a quelques personnes aussi qui viennent de l'Europe et d'Afrique principalement. Il y a 81 logements. Donc ça part de chambres simples, un petit peu comme dans les cités universitaires, à des studios de 30 mètres carrés, ce que nous on appelle les terbis, qui peuvent accueillir deux personnes. Les missions sont multiples, mais on peut voir deux axes. Une principale, c'est plus l'animation. Je travaille avec des jeunes adultes du foyer, on fait des animations en interne et externe. Donc, en interne, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les salles d'activité, c'est par exemple celle-ci où on y est. Là, c'est la salle de musculation et de billard. On a une salle internet, on a un restaurant, il y a une salle de tennis de table et de fléchettes. Voilà, il y a des petits coins salon télé avec lecteur DVD. Il y a un coin cheminée aussi pour l'hiver, où quand on fait des repas à thème, en général, on allume un feu de cheminée, c'est convivial. Et puis après, pour les sorties externes, donc là, moi, ma spécialité, c'est plus je travaille sur ce qu'on appelle les pratiques corporelles, le sport. Donc, c'est beaucoup d'activités où ça bouge, des sorties patinoires, accrobranche, tennis de table, sport collectif. Et le printemps et l'été aussi, on fait beaucoup de nautisme. Donc, on travaille avec tous les clubs nautiques du coin. On fait à peu près entre 8 et 12 sorties nautiques par an, ça dépend des années. Alors, les activités sont plus proposées en soirée la semaine et le samedi. Et puis une autre partie de mon temps de travail se fait au niveau de tout ce qui est le logement du foyer, parce que la mission principale du foyer de jeunes travailleurs, c'est l'hébergement des jeunes adultes sur Morlaix et sur sa région. Moi, j'ai un DUT carrière sociale, option animation socioculturelle, que j'ai passé à Rennes en alternance. Je pense qu'il faut être à l'écoute des autres, faut aimer le contact, voilà, faut être un petit peu patient, je pense. Dans le sens où, quand on met en place des animations ou des activités, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, ou toutes les activités qu'on met en place ne fonctionnent pas tout le temps. Donc, il faut savoir aussi se remettre en question. C'est pareil, on travaille souvent en soirée ou souvent le week-end, donc ça peut déborder sur sa vie de famille. Il faut apprendre à gérer un petit peu tout ça, quoi. Mais c'est un métier qui est très très intéressant parce qu'on rencontre beaucoup personnes diverses et variées. Donc actuellement, mon salaire, je pense qu'il doit être aux alentours de 1 500 euros net à peu près par mois. Merci aussi, c'était un plaisir pour moi aussi.